Kadamalea moderne vous dit bonjour. Balandia Bissio, moi c'est Kadamalea moderne, la paix civile nous sommes beauté. Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais tenter de confectionner un panier de fruits que je vais offrir. Donc, je vous remets dans le contexte. Donc, ça peut être une bonne idée de cadeau si vous êtes dans le même cas que moi. C'est un cadeau à offrir à une personne d'origine congolaise qui se trouve dans un endroit où on ne trouve pas des fruits et des légumes du Congo. Pour être plus précise, cette personne est dans une maison de repos et j'ai appris qu'elle avait vraiment la nostalgie. Et comme c'est Noël, je vais lui rendre visite et lui apporter. Je vais faire de mon mieux, connaissant aussi ses goûts, connaissant son régime alimentaire, régime pour diabétique. Je vais faire de mon mieux pour lui apporter des choses à la fois bonnes et à la fois permises. Donc voilà, on va le faire ensemble. Donc j'ai décidé d'utiliser comme panier ceci parce que c'est plus rigide et parce que simplement au magasin il n'y en avait plus. Il n'y avait plus tous les modèles qu'on voulait, tout le monde s'est servi. Donc ce que je propose de mettre dedans, de l'eau de coco sans sucre ajouté. Voilà, on va lui mettre côté boisson, on met ça. Et ici j'ai choisi un jus de pomme et poire. Vous voyez la couleur, hein, c'est vraiment naturel. On va peut-être essayer de lire ce qui est marqué, donc pressage artisanal, voilà. Et j'ai déjà secoué, mais au moins il y avait un dépôt, là c'est vraiment naturel parce que les jus de pommes qu'on trouve habituellement dans le commerce n'ont pas cette couleur. Ils ont une couleur un peu foncée, ça c'est un jus de pomme. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans les supermarchés. J'ai trouvé, ça c'est un avocat prêt à manger. Je vais lui mettre ça parce que voilà, on mange des avocats au Congo. Des fruits de la passion, j'ai 6 fruits de la passion ici, voilà. Là nous avons comme fruits carambole, ça s'appelle paka paka, au Congo on a ça, c'est très acide, on mange ça au Congo, paka paka. On vérifiera aussi les bienfaits de ce fruit, mais je l'ai pris par nostalgie, pour qu'elle voyage un peu. Voilà, on a le paka paka. J'ai pris des chips de banane. Voilà. J'ai pris une mangue prête à manger. J'ai pris des mini bananes. Ça, je vais déjà ouvrir. J'ai pris des mangoustans. Bon, je suis aussi dans un contexte où j'ai pas pu me rendre à Bruxelles, là où il y a beaucoup de magasins africains. J'ai acheté tout ça dans les supermarchés qu'on peut trouver en dehors de Bruxelles, au rayon aux fruits exotiques. Sauf deux éléments que j'avais déjà acheté à Bruxelles, je vais vous les montrer. Ça, c'est le saumon. Voilà, donc mangoustan. Et on va quand même rajouter des fruits de la Belgique parce qu'elle aime les fruits, elle a besoin de fruits. Donc j'ai choisi des Granny Smith, enfin des fruits qu'on trouve ici, hein. Ça c'est des Granny Smith, ce sont des pommes très acides et je sais qu'elle a le délire du piment en poudre, donc ça va convenir. On a des pommes jaune à gold, ça c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Belgique, c'est de saison. En fait j'ai voulu mélanger avec des fruits de saison aussi, voilà. Et j'ai quelques oranges, j'ai des agrumes, comme agrumes j'ai pris des oranges. J'ai des pomelos. Voilà. Ici, des pomelos. Ça vient d'Israël, pomelo. Provenance, Israël. Donc, il faut quelques agrumes. Et j'ai des pamplemousses roses. J'ai aussi des carottes. S'il reste de la place, je vais lui mettre des carottes parce qu'elle a peut-être envie de grignoter des carottes. Donc dans une maison de repos, si vous n'avez pas de la visite et que vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même, eh bien, vous n'aurez jamais les fruits par exemple. Et c'est le cas de cette personne. Donc je vais lui faire un panier. On va commencer par les fruits de saison. Parce que ce sont des fruits qui ne risquent pas d'être écrasés. Donc je vais mettre...
va commencer 2-2 d'abord. On verra bien ce qui restera comme place. Je mets des pommes. Voilà. Ensuite, je vais passer au pomelo, pamplemousse rose. Encore pomelo. Encore pamplemousse rose. J'ai envie de faire aussi des variétés de couleurs. La mangue. La mangue, je vais peut-être la mettre ailleurs. On verra bien où tout ça va nous mener. L'avocat. Fruit de la passion. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la cerise sur le gâteau. Ça, on a la même chose au Congo, mais je l'ai acheté dans un supermarché de personnes qui viennent du Bangladesh. Au Congo, on appelle ça manga sende. Je ne connais pas le nom en français, mais je l'ai su. Ça m'échappe. Si vous connaissez, mettez-le en commentaire, sinon je vais me renseigner. C'est des manga sende. Il m'en reste un ou une. Hein. C'est une mangue, soi-disant une mangue, mais ça ne ressemble pas à une mangue. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Mais ça, je vais lui mettre à maman. Voilà. Manga sende. Ici, on va lui mettre des chips de banane. J'ai mon assistante avec moi, ma petite fille. Tu veux bien me donner deux carottes, s'il te plaît? On lui met des mangoustans. À trop la même couleur ici. J'ajoute des carottes parce que on peut manger des carottes, on peut croquer sur des carottes, c'est pas mauvais. Je vais peut-être remonter ça pour faire une différence de couleur. Ça et ça, c'est la même couleur. On met ici une pomme rouge. Pomme rouge. Voilà. Avocat, ça craint d'être écrasé, donc je vais mettre ça ici. Voilà, je bouge. On va ajouter une carotte, s'il te plaît. Voilà, encore une carotte, comme ça, ça fait une forme comme il y a là. Voilà, merci. J'ai mis la carotte et on va terminer avec le paka paka, carambole. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, je vais emballer tout ça sous forme de cadeau. Et on verra bien ce que ça donne. Ah oui, j'ai encore un petit cadeau pour vous, maman. J'ai mis du piment en poudre salé parce que la plupart des fruits qui sont là se mangent au Congo avec ce piment. Je vais le décorer. Je vais le décorer pour que ça prenne une touche africaine, pour que ça lui remonte le moral. Voilà, je vais décorer avec le reste d'un de mes tissus de panne. Voilà, on va couper un morceau. On va couper un morceau. On coupe. Chez nous, on fait comme ça. Voilà. Ensuite, je coupe. On va essayer de créer une petite décoration. Voilà, donc j'ai mon tissu que j'ai découpé. Je veux vraiment qu'en voyant ce panier, elle se retrouve au Congo. C'est vraiment une maman qui a la nostalgie, une maman qui m'a beaucoup aidée. Je l'ai connue ici dans la ville où j'habite. C'est pas quelqu'un de ma famille. Je lui rendais visite régulièrement et elle m'apprenait beaucoup de choses sur la cuisine congolaise. C'est elle qui m'a appris notamment les recettes qu'on peut trouver à Lubumbashi, au Kasai. Vraiment, on parle beaucoup. J'espère qu'elle va encore m'apporter beaucoup. Donc, je voulais lui faire plaisir, lui faire cette surprise. Donc, on va ajouter ceci. Je pense que pour que ce soit en équilibre, c'est mieux dans ce coin-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ici, j'ai du papier transparent, le même que les fleuristes utilisent. On va utiliser ça pour fermer le panier. Donc, là, avoir besoin d'aide, je vais appeler ma petite. Je reviens avec l'aide de la petite.
Voilà, on est de retour. J'ai ma petite dernière qui m'aide. On va attacher. Lâche, chérie, lâche. Tiens le fil. Tiens le fil pour maman. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de joli. On va attacher ça. Je ne suis pas très douée pour faire ça. Mais il y a toujours une première fois. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc, merci. On attache. Je vais te dire, chérie. Tiens là. Viens ici. Ça serait plus facile si tu veux. Ok. Voilà. Voilà. Le reste, on va coller comme ça au papier collant. Attends, attends. Tu tiens là? Moi, je prends le papier collant. Alors, tu colles? Attends, il faut bien mettre correctement. Ah oui, on peut aussi faire avec la gratteuse. Je n'ai pas pensé à la gratteuse. Donc voilà un panier exotique, on va dire, hein. Adapté à une personne qui a un régime particulier. Je n'ai pas mis de raisin, je me suis orientée vers les agrumes, les fruits acides, parce que je sais qu'elle aime. Et puis je sais qu'elle aime bien manger ça avec le piment, comme on mangeait au pays. Donc voilà, donc le seul fruit est plus ou moins sucré, c'est la pomme ici, hein. Oui, on va faire de l'autre côté. Voilà. Alors. Voilà. Voilà. Il y a un petit papier collant. Et donc là, ne lâche pas encore. Je vais mettre un peu par-ci par-là parce que ça ne doit pas s'ouvrir. Hein. Lâche. Lâche. Je vais voir si c'est pas mieux de prendre une agrafeuse. Mais bon, il ne faut pas non plus faire des trucs dangereux. Alors, attends, attends, c'est pas fini. On va faire des petites bouclettes comme ça. Ça va être plus joli. C'est normal. Voilà, je renforce avec des agrafes à certains endroits. Parce que j'ai pas envie que ça foute le camp. Voilà. Voilà.
pour accrocher ces deux-là ensemble. Ici. Voilà, mais c'est bon comme ça. Ça doit encore être possible de le tenir. Voilà le panier. Comment le trouvez-vous? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je voulais donner une petite anecdote. D'autres ne seront pas d'accord avec moi. Mais bon, dans la culture bantou, en fait, on n'offre pas des fleurs. Donc, même si je suis en Europe depuis plus de 40 ans, je ne vais pas faire cet affront que d'offrir des fleurs à une maman qui se trouve en plus en maison de repos. Donc, le panier garni, c'est une bonne alternative. Ne soyez pas choqués, c'est pas que j'aime pas les fleurs. Moi aussi, personnellement, ça me fait beaucoup plus plaisir si je reçois ça plutôt que des fleurs. Chacun sa culture. Donc, dans notre culture, on n'offre pas des fleurs. Hein. Bien que maintenant, comme on doit tout... Il y a la mondialisation, Saint-Valentin c'est pour tout le monde, Halloween pour tout le monde, il faut faire rentrer les sous, voilà. À la base, la culture congolaise n'est pas trop pour offrir que des fleurs, quoi. Vous arrivez là, la première fois qu'on vous présente votre belle maman, vous venez avec des fleurs, chez nous ça se passe pas comme ça. Limite, tu viens avec une enveloppe, et si c'est en Europe, même si c'est une belle maman d'Europe qui a des magasins à côté, ce panier fera effet. Par rapport à des fleurs ou autre chose. Hein. Mais bon, c'est une parenthèse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein, mais je voulais le dire pour ceux qui ne connaissent pas la culture. Ça peut aussi aider certaines personnes qui sont peut-être invitées chez des Congolais, chez des Congolaises. Comme ça, ils vont choisir un bon cadeau. Voilà. On va passer tout de suite au bonus. Voilà les amis, donc c'est mon fruit, manga sende au Congo. Et quand on veut avoir une certitude, je pensais que ça s'appelle pomme de citerre, mais j'ai été voir dans Google. Google, c'est mon ami. Donc quand vous hésitez, avant de commenter, se disputer avec les gens dans les commentaires, tout le monde veut avoir raison, ça peut vous aider. Donc j'ai tapé pomme de citerre. Et là, on voit qu'il y a certains cas où on appelle prune de citerre, c'est la même chose. Donc vous voyez. C'est exactement ce fruit-là. Il y en a des plus petits, des plus gros, vous voyez. On va l'ouvrir. Ça, c'est quelque chose que nous, on a consommé au Congo. J'ai trouvé ça. Ça pousse au Bangladesh. Donc, le magasin des gens du Bangladesh, ils vendent toutes sortes de spécialités. Après qu'on a fini de manger, ça donne ça. Vous voyez. On obtient quelque chose comme ça. Voilà, on va ouvrir. Hein? Ça devient comme une brosse à dents. Voilà, je rencontre déjà un obstacle. Hein. Normalement, on ne peut pas couper, hein, parce que ce truc-là est dur, je pense. On doit mordre. On doit mordre dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais un peu tricher. Vous voyez? Voilà, je vais vraiment tricher pour qu'on arrive sur la brosse à dents, là. Tu veux goûter ça, ma puce? Oui. Je vais faire goûter pour la première fois, ma fille. C'est un fruit qu'on mange au Congo. Goûte ça. Voilà, je vais manger. C'est bon. Voilà, on retrouve la brosse à dents, hein, promise. Donc c'est bien manga sende. Voilà. On va faire le délire complet. Ça se mange comme ça, avec du piment. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai mis ça à maman. Mmh. Tu goûtes, ma chérie? Tu as aimé? Oui ou non? Elle dit oui. Voilà. Vous voyez, j'ai mangé jusqu'à l'intérieur. Montrez bien la brosse à dents. On a la brosse à dents comme sur l'image. Hein. Vous voyez? On va aller voir d'autres images. Voilà, ici la brosse à dents. Quand vous mangez, vous obtenez ça. Ça, on en veut au Congo. Je suis sûre qu'elle va être émue. Je vais essayer de prélever un audio de la maman pour lui demander ce que ça lui a fait de recevoir un panier pareil. Comme ça, on va être fixé. Si c'est possible, hein. Je ne sais pas si niveau bruit, je ne sais pas comment je vais la trouver. S'il y aura quelqu'un dans la chambre ou pas dans la chambre.
En tout cas, ça me fait voyager. Je suis à Kinshasa avec ça. La maman va voyager. Voilà, donc je suis arrivée à la maison de repos. J'ai vu maman et je lui ai demandé ses impressions. Je vais vous faire écouter l'audio dans lequel elle donne ses impressions. Hein. C'est pas pour en retirer de la gloire, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu cerner ce qui se passe dans la tête d'une personne qui ne mange plus de la nourriture de son pays. Là, elle s'exprime en lingala et en lingala, elle dit que lorsqu'on ne mange pas la nourriture de son pays, on devient comme malade, dépressif. Et donc, ça fait plaisir de manger la nourriture de son pays. Elle explique que dans le home, on lui sert parfois du lapin, parfois de la dinde, parfois des sauces qu'elle ne connaît pas ou qui sont agrémentées autrement. Et je vous montre ici sur la photo le repas qu'on lui a servi pour ce soir. 2 tartines coupées en 4 avec une salade sans rien dedans et un bol de café au lait. C'est tout ce qu'elle a eu pour le soir. Donc, comme elle avait ses fruits, elle a pu manger quelques fruits avec. Mbote, maman. Mbote. Nenge, naye lio panier, oyo, yaba fresque, kocha moi commentaire, koloba mwenye mwende nini, et sali onde nini. Maman, na sepe ni mingi, penza pe na pesyo, merci mingi. Na ndenge na zoi, biloko na biso ya mboka, sepe li singa mingi. Biloko bazo pesa biso awa ta ba pesi yo free ya mindele eza pe kaka ya bango na ndenge na bango okoli yango me eza ndenge ya mboka na biso te biso toza bato mwindu tokoki kaka na kolia biloko na biso ya bato mwindu so tolie yango omona pe nzoto koyoka pe ndenge mosusu yango nasepeli mingi mama na ngai nayeba ntango sikoyo oza na mboka mopaya boye osali ba jour ebele ozoli biloko ya mboka te neti ba 1 mois ba 2 mois esalaka o ndenge nini mama ezaka pasi okomi lokwa moto oza maladi biloko na biso ezaka biloko na biso ya bango pe ezaka ya bango ezala nyama na bango ezaka ya bango eza na mbisi na bango ezaka ya bango komona pe ya biso okolia okolia ngo okoyoka ngo pe ndenge mosusu lokwa soki nazwi mwa eloko ya mboka na biso nalie Mama na sepelaka mingi penza, mingi. Elekina muto apesi nga soki ngombe mobimba. Ah. Bongo abazo lambela bino nini? Awe zaka mkolo na eloko na bango tang msusu balambi lapin, tang msusu balambi dende, tang msusu balambi me bakulamba ngope na ndenge na bango. Eza na gu? Pona ngai penza na yoka kango gute mama. Wana ifo ba kisa pilipili tonde. Uzana pilipili yao? Nazana pilipili kako oyo ye linga lelo wana. Ah, doko bando chama ba kubongisa umu ke muke. Ah, donc, toko yuko konfirme ke po na moral ya muteza la bien, ifo peza atikala na bilia ya bokoko na ye. Ah, sa va. Donc, wana bande kubolandi mama lobi. Eza très important, so uzana mboka mopaya, uzana mwa tante na yo quelque part, à Vivarato, na institution moko boye to okende kotala e place moko il faut ça l'effort au mimelaye biloko ya mboka bon maman to kozwa rendez-vous ko mususu o lobela biso mwa ba masolo ya bien o itali biloko ko lia ndenge oza ko lia kuna na Lubumbashi ndenge oza ko lia pe na Kinshasa comme ça to solo lango to kutani mala sima allez merci mama merci mingi penza merci pona mkona lelo merci penza Ba ebisa nga kiko yako tala nga ina misu nangeza akana nzela. Le na mwoni ole lomo tema nangezi sepeli mingi penza. Na mwoni pe kitungo ye na ngo mama ya solo, kitunga penza ya solo ya mama. Ah, nga pena sepeli, lukolo sepeli. Voilà. Merci. Bon, je voulais dire autre chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de notre culture, qu'on ne donnait pas des fleurs. On donne généralement de l'argent, mais ça ne se donne pas n'importe comment. On a beaucoup de pudeur par rapport à l'argent. Mais dans le cas d'une belle maman, il faut faire un scénario.
Genre, maman, j'ai pas eu le temps, j'avais peur de me tromper, de parfum ou quoi. Je préfère que tu choisisses toi-même. Tu glisses l'enveloppe. Mais si c'est un copain, tu écrases l'argent sur ta main, tu fais comme si tu lui disais simplement bonjour, je vous montre le geste. Et puis là, tu lui serres la main et lui, il va se retrouver avec l'argent de l'autre côté. Il ira ouvrir ça que chez lui. C'est comme ça que ça se passe chez nous, ça fait partie de la culture. Donc je voulais vous dire aussi que ma chaîne émission Moseka va prendre bientôt une autre dimension. On va beaucoup parler de cuisine et à la demande de beaucoup de mes abonnés, je vais bientôt passer à deux autres rubriques, agriculture. Donc je commence déjà dans les vidéos, puis après un jour vous aurez carrément une vidéo où on parle essentiellement de notre culture bantou, de notre culture RDCienne, de notre culture région par région. Donc voilà, l'argent, on donne de l'argent pour tout. Naissance, argent. Décès, argent. Visite, argent. Voyage, argent. Quelqu'un qui va voyager, de lui dire simplement bon voyage, on lui donne une enveloppe. Peut-être pour quand il arrive là-bas, payer son taxi ou quoi qu'est-ce, c'est notre culture. Donc moi, jamais n'a comme un mundele. The shadows start to fade.